Et salut, salut mes petits abonnés, comment allez-vous? Donc, on se retrouve avec cette petite case de fête. Vous ne verrez que ça. Parce qu'en fait, l'unboxing va suivre et c'est une nouvelle compagnie. Donc, comme à mon habitude, quand c'est une nouvelle compagnie, je vous montre la pose de celle-ci. Comment vous dire que rien que cette première case, je me suis régalée. Donc vous voyez les AB, vous voyez la qualité des diamants. Je suis totalement fan. Donc je vous laisse avec l'unboxing et je vous retrouve en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. À tout de suite. Et salut, salut mes petits abonnés, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas tourné de vidéo. Voilà, donc pour un unboxing, alors la boîte, c'est écrit Mary's Diamond, sauf que ça vient de la société qui a racheté Mary's Diamond, donc Bella Art. Ils avaient expliqué qu'ils avaient encore beaucoup de boîtes Mary's Diamond, donc avant, voilà, d'utiliser les nouvelles, ils allaient liquider le stock. Donc j'ai littéralement craqué sur c'est une collection de tasses. Alors, vous en avez déjà vu parce qu'on est pas mal à avoir les cover minder avec ces tasses-là. Voilà. Et donc, c'est cette collection-là qu'ils ont du coup fait en DP. Donc, quand Bella Art a lancé du coup la sortie, ils avaient sorti 17 nouvelles toiles. J'ai pas résisté. Voilà. Donc la boîte, elle est super jolie, leur boîte, hein. Je sais pas comment elles vont être les nouvelles, mais en tout cas, les Mary's Diamond étaient très 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 belles. Voilà, avec un petite explication au dos. Là, nous avons, bah, je vais vous la montrer. Voilà celle que j'ai choisie. Bah, c'est par rapport aux couleurs, hein. Voilà. C'est donc licencié par Hey Soleil Art. Et je pense c'est peut-être Yam Crafter Delight. C'est peut-être le nom de la toile. Voilà. En 50 par 50. En diamant carré. 47 couleurs dont 5 AB. Voilà. Bella Art des Nicole. Et là, Bella Art Diamante. Voilà. Donc pourquoi j'ai testé? Parce que bah, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, j'avais été déçue par par Mary's Diamond. C'était des diamants en résine, mais je pense qu'ils avaient un sérieux problème de quadrillage. Et du coup, j'ai vu que Bella Art en fait avait tout changé. Voilà, donc j'ai dit je vais tester. Donc on a une feuille de route comme ceci, avec l'illustration et les couleurs, donc 47. Nous avons les AB à la fin. Donc effectivement, là il y en a 4. Et là, il y a le 5200 AB. On a un toolkit. Alors, avec. J'aime beaucoup la barquette. Regardez la barquette. J'ai l'impression que c'est du 3D, mais je ne sais pas. Donc une barquette comme ça avec le bec verseur. Bon, je ne pense pas qu'on ait le stopper, je ne l'ai pas là, alors à moins qu'il soit dans le. Vous voyez, c'est un petit. Voilà, tout le kit comme ça. Dans un petit pochon. Alors, non, il n'y a pas le stopper. On a un washi tape. Là, comme ceci. On a un stylet pailleté. Focus? Non? Il veut pas. Il est pailleté. On a une pince noire qui pince très bien. Elle n'est pas sérigraphiée au nom de la compagnie. Un petit squishy rose. Deux multi-plaisseurs. Et on a de la cire bleue dans un petit pot fermé avec. Allez, non, tu veux pas? Voilà, un, deux, et ça doit être trois. Oui, avec trois pains de cire, colle, comme vous voulez. Et la petite barquette. Moi, la petite barquette, je suis totalement fan. Je vais la tester rapidement. Voilà.
Et puis bah, on va regarder la toile. Hein. Donc, elle a un toucher un peu velours. Elle est dentelée et trouée pour pas que ça s'effiloche. Je vais la remettre dans l'autre sens. Je découvre vraiment en même temps que vous. Vu que c'est la première. Est-ce que vous voyez? Vous voyez très très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette toile ici? Parce qu'en fait, il y en a deux. Parce que le Bella Art des Nicole.com, c'est tout ce qu'ils font en 3D, justement. Ils font des plateaux et tout aussi. Et je crois que le Bella Art Diamond, c'est le site où, vous voyez, il est là-haut. Là. Or, il est là. C'est là où on trouve les toiles. Voilà. Il y a un petit mot ici, là. Le, voilà, les deux sites internet. Ah, c'est pas bête. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, mais alors, regardez. Quand je la prends droite comme ça, là, le tableau, il est dans le même sens. Ici, là en bas, il y a le nom de la toile, l'illustrateur, la taille et la petite miniature. Mais regardez dans ce sens-là, elle est à l'envers en fait. Ça veut dire que moi qui retourne mes toiles, eh ben, si je la tourne comme ça, et ben là, du coup, je l'ai à l'endroit. Je sais pas si... Non, c'est la première fois que je vois ça, je crois. Ben, je trouve ça très intelligent. Voilà. Je trouve ça très, très, très intelligent pour les gens qui, comme moi, tournent leur toile. Eh ben, je trouve ça bien pratique. Alors, je vais remettre vite fait le papier en place. Voilà. Je pense que, ben, vous savez, quand je reçois... de nouvelles toiles, de nouvelles compagnies, vous savez que je fais un petit test pour vous montrer la pose. Et cette pose-là, lors de cet unboxing, vous l'aurez déjà vu parce que, en général, je vous le place avant l'unboxing. Oula, alors, oula, mal été collé ou quoi? Ah ouais, peut-être. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Oh, il y a quand même des taches en plus. Ouais, c'est collé sur le papier. Je sais pas. Bon, je vais faire ça comme ça. Donc oui, je vous disais que vous aurez voilà, certainement la pose comme d'habitude avant l'unboxing. Et je pense que je vais profiter pour faire la tournée du DP4. Qui du coup j'avais dit que j'essaierais de le faire plus rapidement que le 3, mais finalement, après tout ce qui m'est arrivé, hein, bah, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, il faut que je le fasse. C'est du sport, hein, les amis, c'est du sport. Voilà. Donc, je pense que voilà, je profiterai de ça. Ou alors, est-ce que si c'est très long, j'ai pas envie de vous bassiner avec un tag d'environ 20 minutes, parce que les tags, c'est ça en général, hein. Donc, peut-être pas vous bassiner non plus. Je ne sais pas. Vous voyez, je suis très indécise. Je ne sais pas. Regardez-moi le panel de couleurs, s'il vous plaît. Vous voyez rien. Ah, attendez, si je vous fais ça. Hop, je vais vous lever un petit peu. Non, c'est pareil. Là, avec le soleil. Regardez-moi ces couleurs, quoi. Oh là 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 là, voilà pourquoi j'ai craqué sur celle-là, parce que il y en a d'autres, hein, mais les autres sont plus foncés. Voilà. Donc, j'ai deux sachets de 5200 AB. J'en ai deux. Hop, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai un turquoise. Je vous le mets loin parce que du coup, bah, on voit rien en fait. Celui-là, un orangé. Ah, vous le voyez mieux avec le soleil, en fait. Et un rose. Alors, je vais peut-être vous montrer quand même. Oh là là, ces couleurs. Ouais, bah, les diamants, apparemment, sont... Voilà. Ils ont l'air très, 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 très beaux. Il n'y a pas de déchets dans le sachet. Ils ne sont pas piqués. Donc, voilà, vraiment signe d'une résine. Oh là là, ce rose-là, le 3609. Oh! Oh là là. Bah, tenez, on va mettre celui-là dans la petite barquette, là. Je vais tester la petite barquette. J'aime bien la petite barquette.
Ah ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la barquette. Alors. Hop. Voilà. Regardez-moi ça. Ils se placent très bien. Ils ont l'air vraiment très, très, très beaux. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Je pense que non. Je vais juste vous faire la. Enfin, vous aurez vu que la pose. Je veux pas. Je vous aurai pas le. Vous aurez pas le tag. Mais elle est décousue complet cette vidéo parce que je vous parle d'un truc que vous allez avoir déjà vu. Ouais, c'est pas grave. C'est pas la grande forme en ce moment. Moralement, voilà. Mais je me suis dit que. Voilà, ça fait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo à part les vidéos partenaires et ça me. Je voulais vous la montrer. Voilà, le blanc AB. Il est très, 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 très beau. Très, 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 très beau. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment, il me tarde de poser les premiers diamants là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche un petit peu le AB. Bon, le blanc, hein, je pense que ça doit être le C. Voilà. Le blanc, tout ce qui est blanc, blanc, blanc là-haut dans la. Hop. Dans la marguerite, là, ici, là, par là, là, c'est du blanc AB. Toutes les bordures que l'on peut. Ah, mais parce que vous êtes là-dessus. Voilà. Toutes les bordures, là, sur le ciseau, là, sur la carte de thé, partout, c'est du blanc AB. Ensuite, le 38-46, c'est le bleu turquoise. C'est le petit point. Là, ici. Là. Tout le tour là de la carte, comme ça, c'est du bleu AB. J'en ai un petit peu là, là. Là, là, il n'y en a pas ici, non. Donc là, ensuite, le 891 AB, c'est le signe égal. Il est là, non. Non, ça, c'est les deux points, enfin les deux ronds qui se touchent. C'est un orangé un peu comme ça. Oh, vous voyez rien. Un peu ça. Le égal, t'es où? Oh, bon, je vais prendre la toile. Je pense que ça va être plus simple. Et encore pas toujours. Si, il est là. Ok, d'accord. Il est là. Il est ici, là. Là, dans le rouge, un petit peu plus foncé que vous pouvez voir, c'est celui-là. Le 741. Le 44, c'est le V, c'est l'oranger. Alors, l'oranger, 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 c'est le V, j'ai dit, le V. Là, ici, et on en a là, dans la pelote aussi. Je ne sais pas pourquoi j'appuie, ça ressemble à des pelotes. Hein. Et le rose, le 605 AB, c'est le N. Eh bien, le N, on en trouve là-haut, là, dans la fleur. Ici, là. Là, je pense qu'elle va être très belle. Bon, moi en plus, j'ai toujours l'habitude de commencer dans le milieu. À partir du moment où c'est au-dessus de 40 par 50, je commence mes toiles dans le milieu. Donc je pense que là, en fait, la pose de diamant, je vais la faire au milieu là. Il y aura des AB, des diamants normaux, ça va être parfait pour le test. Donc voilà les amis. Le prix, je ne sais plus. J'ai pas ma tablette à côté. Non. Alors, attendez, si vous. Hop. Permettez 2 secondes. Je vais prendre. Mais et en plus, ça a été super rapide hein, quand même. Alors. Ah ben, bien évidemment, le Gmail sur la tablette, il faut faire la mise à jour. Bien, et tout pour me faciliter le truc, vous avez vu. Hein. Hop. Ça m'énerve ce que vous voyez un peu. Là. Voilà, comme ça c'est mieux. Oui, tout pour faciliter la rapidité, n'est-ce pas? Ben oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Non, pourquoi peut-on faire compliqué quand on peut faire simple? Oh, je ne sais pas, les amis. Alors, ça charge toujours, hein. Regardez, je ne vous mens pas. Hein. Regardez là, le Gmail, il charge. Bon, il y a un petit minou, il miaule. Ça fait 3-4 jours qu'il miaule, ce petit chat-là. Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas où il est, mais il me fend le cœur à chaque fois que je l'entends. Bon, installation. On va attendre l'installation. Je vais ranger les diamants. Ah, on n'a pas vu si ça collait. J'ai vu que le papier. Ah, puis je ne vous ai pas montré les symboles. Ben voilà ce qu'on va faire. Voilà. Donc les symboles sont très bien imprimés. Le cadre est existant.
Hop, on va regarder dans ces couleurs-là. Ah ouais, non, j'ai très, 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 très envie de tester ça. Et la colle, du coup... Alors... Ah oui, c'est ce côté-là, en plus, qui est bizarre, ça. Non, ça colle super bien, mais... Vous voyez, en fait, vous ne les voyez pas. Si vous voyez les taches... Attendez. Oui, là, vous les voyez. Ben, c'est des taches de colle, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça ne va pas engendrer de soucis. Alors, ça y est, j'ai mis les taches à jour. Alors, c'est avec quoi j'ai commandé aussi, surtout. Pop, pop, pop. Hop, là. Alors. J'ai... Oh, il a sauté. Mais il est là. Donc, le 7 octobre. Le 7 octobre, ça a été expédié. Je l'ai reçu hier, le 14. Donc, une semaine. Ça a mis une semaine pour arriver. Et j'avais passé la commande. Mince, j'avais peut-être tout dans le même mail. Bah non, j'ai que celui-là là. Alors attendez. Je sais plus quand est-ce qu'ils avaient fait leur grande campagne là pour le lancement des 17 nouveaux. Les 17 nouvelles illustrations. Je vais y arriver, hein, mais je ne trouve pas. Je le trouve pas. Là, le 27 septembre. Voilà. Donc, 27 septembre, j'ai passé la commande. Ça a été expédié, donc comme je vous ai dit, le 7. Alors, le 27 septembre, c'était un mercredi. En fait, ça a été envoyé une semaine et demie après. Et ça a mis une semaine. Donc, on va dire deux semaines et demie à partir du moment de la commande à la réception. Je trouve ça quand même ultra rapide. Voilà les copains, la feuille de route, oui, je vous l'ai montré, c'est des étiquettes individuelles. Hein. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc il n'y a plus qu'à maintenant pour vous dire mon ressenti. J'espère vraiment que c'est comme j'avais pu voir sur certaines vidéos où ça a bien changé. Voilà, j'espère parce que j'adore les couleurs, j'adore cette toile. Voilà les copains, eh bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.